parents ici, quand on va avoir avec nous autres, on vous asseoir confortablement, ça va très très bien. Est-ce que ça va à votre goût? Oui! Alors, on a la découverture, hein? Bon, puis on est venu, on s'est flyé, et attendez d'avoir les affirmations de Claude. Claude, allez-y, on les a ici, on les a à l'écran. Il y a tenu tête à trois voleurs armés. Allez-y, faites-le. J'ai tenu tête à trois voleurs armés dans la bâton. J'ai traversé le seul quartier à la nage. Et je me suis baigné nu dans le Loch Ness. Dans le Loch Ness? Dans le Loch Ness. Oh, avec le monster. Alors, Julie, tu avais 30 secondes pour sauter sur l'occasion, peu importe les trois. Moi, je trouve ça super gros mental. Allez-y. Moi, je voudrais savoir pourquoi c'est baigné tout nu, c'était surprendre en photo le petit. Je me pose en partant. Il y a tout le monde qui avait dans le Loch Ness, le tourne d'autre, dans mon costume de bain. Ça s'est passé au mois d'octobre. Mois d'octobre. Il était très froid. Le monde était très petit. C'est froid de même. Il avait été des voleurs, non? Qu'est-ce que c'est pour les arrêter? Je l'ai traversé dans le milieu de l'océan Atlantique, au nord de la côte de Norvège. J'étais dans la marine et notre navire traversait les Atlantiques et ils nous ont dit on traverse l'océan Atlantique si vous voulez vous baigner et traverser de l'autre côté, l'océan Atlantique. C'est où la côte de Norvège? Le Loch Ness, c'est un lac qui est à peu près au nord-est de l'Europe. C'est en Écosse. Okay. C'est encore quand on était dans la marine. On est allé dans une base navale qui était à Rosette, pas loin d'Édimbourg. C'est un bateau de trois voleurs? Non, c'était à Trinidad et Tobago. Qu'est-ce que ça fait pour les arrêter? Ah, on est bien. Ça nous en est bien. Oui. C'était quelquefois voilà de les arrêter. On était tous un peu éméchés. C'était à la fin d'une soirée arrosée. Et ils voulaient me montrer un autre bord qui fermait plus tard. Moi, qui m'étais marin, et les yeux, et les yeux. Puis je vois les yeux. Ils ont péri, il y avait un bâton, puis ils étaient debout. Tenez, marin. Oui. Et ben. Sous. Ok, c'est. Ça marche. Ces informations sont importantes. Est-ce que vous le croisez dans l'ascenseur après? Ah, mais je suis créé dans la diversion. Alors, Nathalie, c'est quand même Nathalie. Quand tu dis j'ai traversé le Saint-Patrick à la nage, on parle de quoi? De trois brassées? On parle de peu près. J'ai une ligne, donc j'ai un pouce. OK. C'est pas c'est dangereux? Juste là. Non, c'était pas froid. Il y a le Gulf Stream qui passe de la mer des Caraïbes, qui monte, qui traverse l'Atlantique et qui remonte vers la mer. Chaud. C'est vraiment des couverts de marée. Et l'avenir, c'était froid? Le Loch Ness était très froid. Très froid. C'était dans les moins de plusieurs degrés. Alors, c'est terminé. Incroyable. Est-ce que ça va faire? Pendant les 5 secondes, je vais demander aux gens de voter. Puis rapidement, ça, vous allez donner. Comme ça, on a gagné du temps, c'est pas là. On a juste comme ça demain. C'est incroyable. Alors, je vous rappelle les trois affirmations. Préparez-vous à voter. Après ça, je vais vous demander, vous, quel est le mensonge selon nos deux demoiselles. Il y a deux têtes à trois voleurs armés de bâton, ben sous. J'ai traversé le sec arctique à la nage, un peu pompette peut-être, et je me suis baigné nu dans le Loch Ness. Je vais essayer. Vous êtes aussi. Pose de poisson. Alors, je vous demande de voter. Pendant ces 20 secondes-là, je vais demander à Julie, selon vous, le mensonge de notre grand mandat. Je suis même convaincue que c'est le Loch Ness. Le Loch Ness, selon vous. Il hésitait à dire ce qu'il était. Ah, il hésitait un petit peu, hein. Oui, il n'y a pas de question que c'est en Écosse. C'est Julien. C'est au nord de l'Europe. Et Nathalie, vous. Là, c'était rendu moins zéro dans le Loch Ness. Le lac, normalement, devrait être gelé. Ouais. Fait que, non, plutôt que de baigner dans un lac gelé. C'est assez logique. On va voir ce que les gens de l'audience du public ont dit eux. Alors, l'ordinateur nous dit que... Ça sent bien. Alors, il y a 17 personnes qui ne croient pas à la première affirmation. J'ai tenu tête à trois voleurs.
Il y en a 13 qui ne croient pas à la deuxième affirmation, disant qu'il a traversé le cercle arctique à la nage. Et il y en a 34 qui ne croient pas à la troisième affirmation, qui sont baignés nus dans le Loch Ness. Alors là, on va vous demander vos deux affirmations et votre mensonge. À mon avis, c'est trois mensonges. On va s'en aller avec vous. Pas sur le bateau, par exemple. J'ai deux litres de trois voleurs en mille d'un bâton. Ça, c'est une vérité. J'ai traversé le cercle arctique dans la nage. Je me suis baigné dans le Loch Ness, mais j'étais pas nu. Il a trouvé le mensonge incroyable. Bravo, merci. Non, Marceau. Alors, merci les filles, merci à Claude. Bravo, on va voir. Vous êtes finaliste, on ne sait jamais. Merci à Claude. Allez vous rasseoir. Hey, il a l'air bien froid, mais le cœur est tellement chaud. Merci Nathalie. Alors, avant de présenter les trois prochains participants, on a des petits intermèdes. Si on a demandé à des gens qui ne viendront pas ici sur la scène nous donner leurs affirmations et leurs mensonges, mais qui ont quand même des affirmations assez particulières. Est-ce que Carole, tu as le micro? Est-ce que Mario Moore est ici? Il est là, Mario. Je veux pas au Nintendo, vous? Non.